Ils s'en foutent, les Suisses. 2 × 3D. Michael Flume voit Bâle en 3D. Bâle et ses rites, ses habitants, sa profondeur. Il photographie sa ville, il la filme avec le regard de celui qui est revenu d'un exil américain il y a une dizaine d'années. 22 ans à New York et puis, après le 11 septembre 2001, le désir de revenir à la maison, à Bâle. Einfach mal andere Sachen erleben ist sehr wichtig für das innere Auge und für die Kreativität. Ich bin ja immer kreativ tätig, seit ich denken kann. Bâle, il faut la regarder de près, attentivement, en 3D, propose Michael Flume dans un album de photos sur le carnaval de Bâle. Kino auf Papier. Es bewegt dich zwar nicht. Ich kenne viele Leute, die sagen, nein, nein, oh, ist okay, nimm dir Zeit, take your time. Take it slow. Schau es dir an. Das ist schon die Idee, dass man da ein bisschen die Bücher anders anschaut. Il photographie le carnaval, mais aussi le festival Basel Tattoo. Et puis, il y a les films qu'il produit pour la télévision baloise ou des clients, comme le club de football de la ville ou les musées. Il y a la musique aussi. Michael Flume, dans son autre vie new-yorkaise, c'était un disc jockey réputé. Ich habe sehr viel selber beigebracht, learning by doing. Wie gesagt, mein Motto, just do it, ausprobieren, nächtelang, wochenlang, bis es klappt. Inclassable et surprenant, Michael Flume est un tourbillon qui nous emmène ce jour-là chez Aline, sa coiffeuse. Hier lasse ich mich verwöhnen, aber ich sammle auch Ideen hier. Ich kann hier zurücksitzen und Ideen kommen auf mich zu. Ich rede sehr gerne mit Leuten und wenn die mich ansprechen, dann diskutiere ich längere Zeit und das finde ich großartig. Das ist, für das machen wir es ja, glaube ich, auch, dass man uns ein bisschen mag. Être en contact permanent avec sa ville au moyen d'un appareil photo ou d'une caméra, c'est le bonheur, selon Michael Flume. Ici, je suis très heureux.